The word of God, la parole de Dieu, declared déclare, by the servant of God. Déclaré par le serviteur de and Dieu. So if there is any time, alors, si y a un moment, we need the word of God, that time is now. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu, ce temps-là, c'est because maintenant. The word brings revelation. Parce que la parole apporte la révélation. When it is spoken quand c'est déclaré, by the servant of God, par le serviteur de Dieu, you get a revelation. Tu obtiens une révélation. Faith comes la foi vient by hearing en entendant and hearing et entendre the word of God. La parole de Dieu. It's not faith does not come by hearing only. La foi ne vient pas en entendant seulement. It's when you hear the word of God. C'est quand tu entends la parole de Dieu. That faith comes. Que la foi vient. And this market at the gate. Et ce marché au portail. Can only be seen. Ne peut être vu. When the word of God is declared. Que quand la parole de Dieu est déclarée. From the mouth of the servant of God. De la bouche du serviteur de Dieu. Mary. Marie. Is completely lost. Est complètement perdue. Is completely hopeless. Elle est complètement désespérée. She could not see any way out. Elle ne voyait aucune issue. Of her predicament, de sa situation, of her loss, de son, de ses pertes. And so while others left, alors pendant que les autres étaient partis, Mary sits there, Marie s'est assise and là, she's crying, et elle est en train de pleurer, because the only man that mattered to her had died, parce que le seul homme qui comptait pour elle était mort, and Jesus spoke, et Jésus a parlé, Mary, Marie, immediately, immédiatement, it gave her a revelation. Celle-là lui a donné une révélation. And Mary, who was discouraged, et Marie qui est découragée, ran back a couru en arrière and told the others, et est partie dire aux I autres, am praying. Je suis en train de prier. You see, there is something the word of God says in Isaiah 43. Vous voyez, il y a quelque chose que la parole de Dieu dit dans Isaïe 43. God says, I will give you the treasures of darkness. La Bible dit, je te donnerai les trésors des ténèbres. The hidden riches. Les richesses cachées. In secret places. Dans les lieux secrets. What that implies. Ce que cela implique. There is a treasure. C'est qu'il y a un trésor. But it is hidden. Mais c'est caché. There are riches. Il y a des richesses. But it is covered. Mais c'est couvert. It is coded. C'est codé. And only God. Et il n'y a que Dieu. Can give us a revelation. Qui nous donne une révélation. And this is the season. Et voici la saison. For revelations. Pour les révélations. Of these treasures in secret places. De ces trésors dans les lieux secrets. It is the market at the gates. C'est le marché au portail. And for the last 2 weeks. Et pendant les deux dernières we semaines. We have been talking about the market at the gates. Nous avons parlé du marché au portail. And this morning, ladies and gentlemen. Et ce matin, mesdames et messieurs, the chaplain is going to bring us the third lesson on markets at the gates. Le moulinier va nous apporter la troisième leçon du marché. How can we access this market? Comment est-ce que nous pouvons avoir accès à ce marché? What happens to us that prompts us to access this market? Qu'est-ce qui nous arrive pour nous inciter à accéder à ce marché? Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, let's give it up for the chaplain. Donnons la plateforme à l'aumônier. Are we sure we are putting those hands together for Jesus? Est-ce que nous sommes sûrs d'acclamer pour Jésus? Put your hands together for the King of Kings. Acclamez pour le roi des rois. My friend, you stand up and put your hands together for Jesus. Mon ami, lève-toi et acclame pour Jésus. Stand up and put your hands together for Jesus. Lève-toi et acclame pour Jésus. You tell me why you are here this morning. Put your hands together for Jesus. Acclame pour Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Can somebody make a joyful noise unto the Lord this morning? Est-ce que quelqu'un peut faire un bruit joyeux à l'Éternel? Hallelujah. Amen. Can somebody say, Lord, give me a revelation this day? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi une révélation en ce jour? Are you saying it because I asked you to say it, or you really want a revelation? Est-ce que tu le dis parce que je te l'ai demandé, ou bien tu veux vraiment une révélation? Say it with conviction. Dis-le avec conviction. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. You may be seated, please. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.
Once again, I want to appreciate the bishop. Une fois de plus, j'aimerais apprécier l'évêque. You know, it's not very often. Vous savez que ce n'est pas souvent. That a hunter goes out and kills a buffalo. Que le chasseur sort et il tue un buff. And then he comes and gives it to somebody else to eat. Et il vient, il donne ça à quelqu'un d'autre à manger. Because this is exactly what the bishop did. Parce que c'est exactement ce que l'évêque a fait. For about 4 or 5 weeks. Depuis environ 4-5 semaines. She kept talking about the market at the gate, the market at the gate. Elle ne fait que parler du marché au portail, le marché au portail. How she was preparing for it. Et parce qu'elle le préparait. How she was getting a lot of revelations about it. Et elle avait beaucoup de révélations à propos. And then in the end. Et à la fin. She prepares it all. Elle a, alors qu'elle a tout préparé. She says, "You go and do it." Elle dit, toi, va le faire. It doesn't happen too often, beloved. Ça n'arrive pas très souvent, bien aimé. Not from a bishop. Pas d'un évêque. Sitting in the church. Qui s'assoit à l'église. And allowing somebody under her. Et qui demande à quelqu'un sous elle. To preach. De prêcher. While she is in the church and sitting. Alors qu'elle est à l'église et elle regarde. So I really appreciate the bishop for this. Alors j'apprécie vraiment l'évêque pour cela. And I know. Et je sais. That whatever it is, que quel que soit ce que c'est, whatever we are going to get today from market at the gate 3, quel que soit ce que nous allons recevoir aujourd'hui du marché au portail 3, is going to bless somebody. Ça va bénir quelqu'un. If you believe that, say amen. Si tu le crois, dis amen. Praise the Lord. Amen. We have a fairly long text. Nous avons un très long texte. 1 Kings chapter 17. 1 Roi chapitre 17. Verses 1 to 15. Du verset 1 au verset 15. Can somebody read that for us, please? Est-ce que quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît? 1 Kings 17, verses 1 to 15. 1 Roi chapitre 17, du verset 1 au verset 17. Au verset 15. Nobody? Personne? Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Elle l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol.
Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. My Lord and my Father, mon Seigneur et mon Père, you say your word shall not go out and come back to you void. Tu dis que ta parole ne sortira jamais et te rentrera sans effet. And so even this morning, alors même ce matin, we pray you to honor your word. Nous te prions d'honorer ta parole. That it shall accomplish your purpose in our lives this day. Et elle accomplira ton but dans nos vies ce jour. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Our key text, beloved, notre texte clé, our key verse, notre verset clé, is verse 14. C'est le verset 14. It says, il dit, for this is what the Lord, car ainsi parle l'Éternel, the God of Israel says, le Dieu d'Israël, the jar of flour will not be used up, la farine qui est dans le pot ne manquera point, and the jug of oil will not run dry, et l'huile ne diminuera point, until the day the Lord gives rain on the land. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. Alléluia. Amen. Can somebody say that is my portion? Est-ce que quelqu'un peut dire c'est mon partage? That I shall never run dry. Que je ne manquerai jamais, je ne serai jamais à sec. Praise the Lord. Amen. I shall never run dry. Je ne serai jamais à sec. Praise the Lord. Amen. Now that text tells us, ce texte nous dit, that there was famine in the land. Qu'il y avait la famine dans le pays. In Israel. En Israël. But the great question is, mais la grande question est, how did it begin? Comment est-ce que cela a commencé? Praise the Lord. Amen. There are a lot of us, beloved. Il y a beaucoup d'entre nous, bien-aimés. Things are going on in our lives. Les choses se passent dans nos vies. Things have happened to us. Les choses nous sont arrivées. And you come and you see the servant of God. Et tu viens voir le serviteur de Dieu. And you say, this is what I am going through. Et tu lui dis, voici ce que je traverse. This is what is happening in my family. Voici ce qui se passe dans ma famille. This is what is happening in my marriage. Voici ce qui arrive dans mon mariage. And the first question from your spiritual leader. Et la première question de ton leader spirituel. Do you have an idea when all this started? Est-ce que tu as une idée de comment tout ceci a commencé? A lot of us, we don't know, beloved. La plupart d'entre nous, nous ne savons pas. We only discover we are in a situation. Nous découvrons seulement que nous sommes dans une situation. But we don't know how it started. Mais nous ne savons pas comment elle a commencé. You need to know the beginning, beloved. Tu dois connaître le début, bien-aimé. And that is why. Et ça, c'est pourquoi. We need to know. Nous devons savoir, how did this famine in Israel begin? Comment est-ce que cette famine a commencé en Israël? Praise the Lord. Amen. In verse 1, au verset 1 of our text, de notre texte, it says, il dit, and Elijah the Tishbite, et Élie le Tishbite, who was of the inhabitant of Gilead, qui était l'un des habitants de Galaad, said unto Ahab, dit à Akab, as the Lord God of Israel lives, l'Éternel est vivant, before whom I stand, le Dieu devant qui je me tiens. There shall not be dew nor rain this year, but according to my word. Il n'y aura ni rosée ni pluie ces années, sinon à ma parole. So how did the famine in Israel start? Alors comment est-ce que la famine a commencé en Israël? It was by the word of God. C'était par la parole de Dieu. It was by the prophet of God. C'était par le prophète de Dieu. Praise the Lord. Amen. Why? Pourquoi? Because of the evil rule of King Ahab and his wife Jezebel. À cause du rôle maléfique d'Akab et de sa femme Jezebel. They had pulled God, the people away from God. Ils ont éloigné le peuple de Dieu. Now the people of God, maintenant le peuple de Dieu, instead of calling upon the God of Abraham, Isaac and Jacob, au lieu d'invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, now they were beginning to worship Baal. Ils ont commencé à adorer Baal. And this was an abomination, beloved. Et c'était une abomination, bien-aimée. And the consequence, et les conséquences, was a famine. C'était la famine. Pronounced by the prophet of God. Prononcée par le prophète de Dieu. Praise the Lord. Amen. Beloved, I accuse no one here this morning of any abomination. Bien-aimé, je n'accuse personne ici d'aucune abomination. But you need to be asking yourself. Mais vous devez vous poser la question. Am I experiencing any famine in my life? Est-ce que j'expérimente une quelconque famine dans ma vie? Am I experiencing any dryness in my life? Est-ce que j'expérimente une quelconque sécheresse dans ma vie? It may be. Il pourrait. It may just be. Il pourrait juste. That you have done something. À être que tu as fait quelque chose that is not agreeable unto God, qui n'est pas agréable à Dieu, that is not acceptable unto God, qui n'est pas acceptable à Dieu. But if that is the case, beloved, et si ceci est le cas, I want to assure you, je voudrais te rassurer, that by the time this word is over, que
Au moment où cette parole va finir, d'ici à ce God que will be doing something new in your life. Dieu aura fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Because his purpose parce que son but is not to destroy us. Ce n'est pas de nous détruire. He says, il dit, his plans for us, ses plans pour nous, they are good. Sont bons. They are meant to bring us to an expected end. Ils sont faits pour nous amener à une fin espérée. Praise the Lord. Amen. Now you're asking me the question. Et tu me poses la question maintenant. How long will the dryness in my life? Combien de temps la sécheresse dans ma How vie? Long will the famine in my life come to an end? Combien de temps la sécheresse dans ma vie durera-t-elle? The question I'm also asking you now is this. Et la question que je te pose maintenant également est celle-ci. The famine that Elijah had declared. La famine que Élie a déclarée. How long did Elijah say it would last? Élie a dit que ça va durer combien de temps? He says, until by the pronouncement of his word. Il a dit jusqu'à ce qu'il prononce une parole. So Elijah did not put any timeline upon the famine. Élie n'a pas déterminé la durée de la famine. Praise the Lord. Amen. Elijah didn't say. Élie n'a pas dit. On the 10th of January 2025. Oh, en janvier 2025. There was no date. Il n'y avait pas de date. There was no time. Il n'y avait pas de temps. It all depended upon his word. Tout dépendait de sa parole. Praise the Lord. Amen. All he did was decree the famine. Tout ce qui importait, c'est qu'il avait décrété la famine. Praise the Lord. Amen. And guess what? Et imagine quoi? Even he himself. Même lui-même. He was in the land. Il était dans le pays. Praise the Lord. Amen. But because he was of God, beloved. Mais parce qu'il était de Dieu. Because he was a child of God. Parce qu'il était enfant de because Dieu. Because he was the prophet of God. Parce qu'il était prophète de Dieu. God did that which he would always do for his own. Dieu a fait ce qu'il fera toujours pour les siens. God will always provide for his own, beloved. Dieu pourvoira toujours pour les siens, bien-aimés. And so in the text, beloved. Alors dans le texte. When the prophet of God Elijah. Quand le prophète de Dieu Élie. When he begins to feel. Quand il a commencé à ressentir the pains la douleur of this famine, de cette famine in verse 3 and 4 of our text, dans le verset 3 et 4 de notre texte, God speaks to him again. Dieu lui parle encore. Praise the Lord. Amen. Can we get that verse 3 and 4, please? Est-ce qu'on peut avoir ces versets 3 et 4, s'il vous plaît? Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Praise the Lord. Amen. This morning, beloved, ce matin, bien-aimé, we see nous voyons when the people of God, quand le peuple de Dieu, when the servant of God, quand le serviteur when de he Dieu, began to feel the pains, quand il commence à ressentir when he les began to feel the burden of the situation, quand il commence à ressentir le poids d'une situation, God tells him, Dieu lui dit, I have made a way for you. J'ai fait une voie pour toi. Praise the Lord. Amen. And I believe this morning. Et je crois ce matin. That is the same thing God is saying to somebody. Que ça c'est la même chose que Dieu dit à quelqu'un. That he is making a way for you. Que il ferait une voie pour toi. Praise the Lord. Amen. But listen. Mais écoute. Sometimes. Parfois. We must not sometimes. Parfois. Not sometimes. Pas parfois. We must stand by the word of God. Nous devons venir par la parole de we Dieu. We must believe in God. Nous devons croire en Dieu. No matter how it looks like. Peu importe comment cela no se voit. No matter how you feel like. Peu importe comment tu te sens. If God says what he has said. Si Dieu a dit ce qu'il a dit. We must stand by his word. Nous devons nous tenir à sa parole. Praise the Lord. Amen. Because Elijah. Parce que Élie. Is beginning to experience some difficulties. Commence à expérimenter certaines difficultés. And where does God move him to? Et où est-ce que Dieu le conduit? God removes him from the brook. Dieu l'enlève. God removes him from the land. Dieu l'enlève du pays. And sends him onto a lockdown. Et l'envoie au confinement. Praise the Lord. Amen. That is what happened, beloved. C'est ce qui se passe, bien-aimé. I don't want us to keep reading a lot, but verses 5 and 6. Je ne voudrais pas que nous continuions à lire beaucoup, mais le verset 5 et 6. If you can read that for us, please. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Praise the Lord. Amen. So you see what God does to Elijah. Vous voyez ce que Dieu a fait pour Elijah. He moves him to the brook of Cherith. Il a enlevé du torrent de Kérit. And he places him there in a lockdown. Il a mis près du torrent de Kérit pour un confinement.
And from in the beginning, beloved, au commencement, it didn't look bad at all. Ça ne semblait pas mauvais. Beginnings are always like that. They look interesting. Les débuts sont souvent comme ça, c'est intéressant. For a man of God, pour un homme de Dieu, who had spent all his life, qui a passé toute sa vie, moving up and down, allant ici et là, going all over the place, allant partout, for him that was the perfect time for him to have some rest. Pour lui, c'était un moment parfait pour avoir du repos. Praise the Lord. Amen. And you see, beloved, et vous voyez, bien when aimé, when lockdowns come, quand le confinement arrive, like it was in the case in a lot of other countries. C'était le cas de beaucoup d'autres pays. Initially, people enjoy it. Au début, les gens s'en réjouissent. Husbands and wives and their children, they say, hey, this is good family time. Les époux et leurs épouses restent avec leurs enfants et ils passent des temps de qualité en famille. Praise the Lord. Amen. That is what happened in a lot of societies when this so-called COVID-19 came. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup de sociétés quand ce confinement est arrivé. Everything was being closed down, beloved. Tout était fermé. People found themselves in the brook of Cherith. Les gens se sont retrouvés au torrent de Kérit. Praise the Lord. Amen. So a lot of families, beloved, like I said, et donc beaucoup de familles, comme je l'ai dit, they enjoyed it in the beginning. Se sont réjouis au début. But after a while, mais après un moment, you begin to get bored. Tu commences à t'ennuyer. You begin to get frustrated with one another. Tu commences à vous frustrer les uns les autres. Provisions begin to run dry. La provision commence à s'assécher. Praise the Lord. Amen. For the case of Elijah, au cas d'Élie, for how long would you eat meat that is being brought to you by ravens? Pendant combien de temps tu mangeras de la viande qui t'est apportée par les corbeaux? What were they bringing to him, beloved? What were they bringing to him? Qu'est-ce qu'il lui apportait? Surely it was not chicken. Sûrement, ce n'était pas du poulet. Praise the Lord. We know what ravens are, beloved. Nous savons ce que c'est que les corbeaux. They are scavenger birds. Ce sont des oiseaux rapaces. And that is what they brought to Elijah. Et ça, c'est ce qu'ils apportaient à Élie. Who sent Elijah to that place? Qui a envoyé Élie à cet endroit? It is God, beloved. C'est Dieu, bien-aimé. When God says jump, quand Dieu dit saute, all you need to do is jump. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est sauter. And in that jumping, beloved, et dans ce saut, you will see the plans of God begin to unfold for you. Tu vas voir les plans de Dieu commencer à se dérouler pour toi. Ravens were very unclean birds, beloved. Les corbeaux sont des oiseaux très sales. Praise the Lord. Amen. But one begins to thank God. Mais quelqu'un commence à rendre grâce à Dieu. Even for his mercies. Même pour sa miséricorde. For those things that he does for us. Pour ces choses qu'il fait pour nous. Whether we know it or not. Que nous le sachions ou pas. We must appreciate God. Nous devons apprécier Dieu. Praise the Lord. Amen. But like all lockdowns. Mais comme tous les confinements. It became very unbearable for the prophet. C'est devenu très insupportable pour le prophète. In the morning. Au matin. He ate bread. Il mangeait du pain. In the evening. Le soir, he ate bread. Il mangeait du pain. Praise the Lord. Amen. But I know some people who will get tired of eating it every day. Mais je connais des gens qui seraient fatigués de manger du poulet chaque jour. Praise the Lord. Amen. And so one day, beloved, et ainsi un jour, it wasn't that the prophet was tired of eating that food. C'est pas que le prophète était fatigué de manger de cette nourriture. But one day, mais un jour, the Bible tells us, la Bible nous dit, the brook dried up. Le torrent s'est asséché. It could no longer sustain the prophet. Ça ne pouvait plus soutenir le prophète. And here he was in lockdown. Et là, il était dans le confinement. What was he going to do? Qu'est-ce qu'il allait faire? The famine was not yet over, beloved. La famine n'était pas encore finie, bien-aimé. Life became very boring. La vie est devenue très ennuyeuse. And we see it, beloved. Et nous le voyons. Even in our own lives today. Même dans nos propres vies aujourd'hui. We may not be in lockdown in Cameroon. Nous pourrions ne pas être dans le confinement au Cameroun. But we have a lot of restrictions upon us. Mais nous avons beaucoup de restrictions sur nous. When this virus was declared present in Cameroon, quand ce virus a été déclaré présent au Cameroun, a lot of us went and
bought things and stock up in our homes. Beaucoup d'entre nous sont allés acheter des choses qu'ils ont stockées dans leur maison. And as you look around, et quand tu regardes partout, a lot of those supplies are beginning to run down. Beaucoup de ces provisions commencent à finir. Some of us, certains d'entre nous, because of children that are in the house, à cause des enfants qui sont à la maison, there is so much stress. Il y a tellement de stress. It's great, it's wonderful, your children are there and you love them. C'est grand, c'est beau, c'est merveilleux, tes enfants sont là et tu les aimes. But believe me, mais crois-moi, there is the stress aspect of it, beloved. Il y a un aspect stressant là-dessus. You think you can rest? Tu penses que tu peux te reposer? They come. Ils viennent. You look at their faces. Tu regardes leur face. And you are more worried about them than yourself. Et tu es plus inquiet pour eux que pour toi-même. Because they themselves are looking stressed. Parce qu'eux-mêmes, ils ont l'air stressés. That is what a lockdown can do for you, beloved. Là, c'est ce que le confinement peut te faire. It is boring. C'est ennuyeux. It is monotonous. C'est monotone. Some of us, certains d'entre nous, your employers have had to cut your salary. Ton employeur doit couper, réduire le salaire voilà. De ses employés. Praise the Lord. Amen. And so you begin to feel. Alors tu commences à te the sentir. Pressure. Tu commences à sentir la pression. You had made your projects. Tu as fait tes projets. But suddenly, mais subitement, the budget for it has been cut into half. Le budget a été réduit de moitié. And guess what? Et imagine quoi? Nobody knows when it's going to come to an end. Personne ne sait quand cela va finir. When you made your purchases, quand tu fais tes projets, when the lockdown is declared, quand le confinement est déclaré, you are very worried. Tu es très inquiet. And so you rush to the bank. Alors tu cours à la banque. And you remove all of your money. Et tu enlèves tout ton argent. And you are keeping it in the house. Et tu le gardes à la maison. Now you cannot even sleep again comfortably. Maintenant tu ne peux même plus dormir en paix. I want you to understand what a lockdown is, beloved. Je voudrais que tu comprennes ce que c'est que le confinement. Because you think your money is not safe in the bank. Parce que tu penses que ton argent n'est pas en sécurité à because la banque. You think when you need it, you may not be allowed to go out. Tu penses que quand tu le laisses là-bas, tu ne seras pas, tu ne pourras plus, il ne te sera plus permis de sortir. How many of us have been to banks lately? Combien d'entre nous étaient à la banque dernièrement? Very few, right? Très peu. They make you stand on the line outside. On te fait aligner à l'extérieur. To go and get your own money that you came with your two. And you put it in the bank. Pour aller prendre ton propre argent que tu es venu avec tes deux pieds mettre à la banque. And they're telling you they are protecting you. Et on te dit qu'on te protège. You want to get into the bank. Tu vas entrer à la banque. A security guard. Les gardiens de sécurité. I don't know what his medical training is. Je ne sais pas ce que la formation médicale est. But he is taking your temperature. Mais il prend ta température. Sometimes I want to ask him, parfois, j'ai envie de leur demander, what did you see there? Qu'est-ce que vous avez vu là-dedans? Because I think sometimes they are just doing it for a formality. Parce que parfois, je vois que c'est une formalité juste. Praise the Lord. Amen. And in all of this, beloved, et dans tout ceci, bien-aimé, you don't know when it's going to be over. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va finir. And you don't see any signs that it is going to be over. Et tu ne vois aucun signe que ça va finir. And we are beginning to come to deal with this, like the bishop said, the new normal. Et nous commençons à traiter, à gérer ceci, comme l'évêque l'a dit, un nouveau normal. The brook is drying up. Le torrent est desséché. In other words, your resources, beloved. En d'autres termes, tes ressources, bien-aimées. They are drying up. Sont desséchées. In other words, beloved. En d'autres termes. Your patience, even with your own children in the house. Ta patience avec tes propres enfants à la maison. It's running short. Est en train de finir. Praise the Lord. Amen. You turn. Tu te tournes. You see your wife. Tu vois ta femme. You turn. Tu te retournes. You see your wife. Tu vois ta femme. And you begin to say, oh my God. Et tu commences à dire, oh mon Dieu. I know on the altar I said, I do, I do, I do. Je sais qu'à l'hôtel j'avais dit, je le veux, je le veux, je le veux. But I didn't say I want to see you every minute, every minute, every minute. Mais je n'ai pas dit que je vais te voir à chaque minute, à chaque seconde. That is what a lockdown does for you, beloved. Ça, c'est ce que le confinement te you fait. You get angry unnecessarily. Tu te fâches pour rien. You get impatient unnecessarily. Tu deviens impatient pour rien. Praise the Lord. Amen. But when things got to this level, beloved, mais quand les choses en arrivent là, our God,
Notre Dieu is a good God. Est un Dieu bon. Can somebody proclaim God is a good God? Quelqu'un peut proclamer Dieu est un Dieu bon. Because when things got to this level for Elijah, parce que quand les choses sont arrivées à ce niveau pour Élie, God decided to change the location of his lockdown. Dieu a décidé de changer la location de son confinement. God didn't remove him from lockdown, oh. Dieu ne l'a pas enlevé du confinement, oh. He just changed his location. Il a juste changé sa location. Praise the Lord. Amen. Let the Lord change your location. Que Dieu change ta localisation. From one lockdown to another. D'un confinement à un autre. Praise the Lord. Amen. But listen. Mais écoute. We know. Nous savons. That in God. Qu'en Dieu. We are moving where? Nous allons où? From glory to glory. De gloire en gloire. Praise the Lord. Amen. So the next lockdown. Alors le prochain confinement. Must be better than the previous lockdown. Doit être meilleur que le précédent. Can somebody appreciate the Lord God? Est-ce que quelqu'un peut apprécier le Dieu? Hallelujah. Amen. It says in that text, verse 9. Il dit dans ce texte, verset 9. He says, arise. Il dit, lève-toi. Get thee to Zarephath. Va à Sarepta. Which belongs to Zidon. Qui appartient à Sidon. And dwell there. Et demeure là. Behold. Voici. I have commanded a widow there. J'ai ordonné à une veuve to sustain thee. De te nourrir. I have commanded a widow there. J'ai ordonné à une veuve là-bas to sustain you. De te nourrir. Praise the Lord. Amen. Now we need to understand something, beloved. Maintenant, nous devons comprendre quelque chose, bien-aimé. What is actually happening here? Ce qui est en train de se passer ici. Where is Zarephath? Où est Sarepta? I'm talking about the place where God asked his prophet to move. Je parle de l'endroit où Dieu a demandé à son prophète d'aller. Vis-à-vis Israël, where the prophet was. Par rapport à Israël, où le prophète était. Zarephath was a long way, beloved. Sarepta était loin. A very long way. C'était très loin. From Israel. D'Israël. Praise the Lord. Amen. It was not part of Israel. Ça ne faisait pas partie d'Israël. It was part of a country called Phoenicia. Ça faisait partie d'un pays appelé Phénicie. And so suddenly. Et subitement, a prophet of God, un prophète de Dieu, a free man, un homme libre, becomes a refugee in a foreign land. Devient un réfugié dans une terre étrangère. Praise the Lord. Amen. Now, maintenant, it troubles me. Ça me trouble. And I don't know about you. Et je ne sais pas ce qui te concerne. That the Lord God Almighty, que le Dieu Tout-Puissant, will take his prophet, prendra son prophète, from his own homeland. De sa terre natale, from the place of Israel, d'Israël, and send him thousands of kilometers away, et l'envoie des milliers de kilomètres plus loin, to be taken care of by a widow, pour qu'une veuve prenne soin de lui. Hallelujah. Amen. And I begin to ask myself, et je commence à me poser la question, is there no balm in Gilead? Est-ce qu'il n'y a pas d'abri en Is there no balm in Gilead? Est-ce qu'il n'y a pas de baume à Galate? In other words, beloved. En d'autres termes. Was there no one? Est-ce qu'il n'y avait personne? Let me correct myself because je me corrige. God sent him to a widow. Parce que Dieu l'a envoyé à une veuve. Was there no widow? Est-ce qu'il n'y avait pas de veuve? In Israel. En Israël. Who could take care of the prophet of God? Qui pouvait prendre soin du prophète de Dieu? Do we understand the implications of what is happening here? Est-ce que nous comprenons les implications de ce qui se passe ici? Why would a scenario like this happen? Pourquoi est-ce qu'un scénario comme celui-ci Is it just possible? N'était-il pas possible? That God was looking for a place. Que Dieu cherchait une place. That God was looking for a people. Que Dieu cherchait un peuple. Who would be receptive to his word? Qui serait réceptif à sa parole? Is it just possible? N'est-ce pas possible? That things were so terrible in Israel. Que les choses étaient tellement mauvaises en Israël. That no one would want to take care of the prophet of God. Que personne ne pouvait prendre soin du prophète de Dieu. We need to understand this, beloved. Nous comprenons ceci, bien-aimé. We need to take care of God's prophets. Nous devons prendre soin des prophètes. It is our duty. C'est notre devoir. It is our obligation. C'est notre obligation. We don't need to wait for God. Nous devons pas attendre Dieu. To speak to us. Que Dieu nous parle. Before we take care of his prophet. Avant que nous prenions soin de ses prophètes. Praise the Lord. Amen. And I believe I am speaking to Christians. Et je pense parler à des chrétiens. I believe I am speaking to leaders. Je pense parler à des leaders.
Who understand the word of God? Qui comprennent la parole de Dieu. Who understand? Qui comprennent? That in taking care of God's prophet, qu'en prenant soin des prophètes de Dieu, there is a reward inside for you. Il y a une récompense qui y est afférente pour but toi. I remain very troubled by this situation. Mais je suis resté très troublé par cette situation. That there was no widow. Qu'il n'y avait pas de veuve. In the land of Israel. Dans le pays d'Israël. Who God could send his prophet. Où Dieu pouvait envoyer son prophète. So that she could take care of his prophet. Pour qu'elle prenne soin du prophète. Praise the Lord. Amen. We are told when the prophet arrived the city of Zarephath. On nous dit que quand le prophète arrivait à la ville de Sarepta, indeed he found the widow. En effet, il a trouvé la veuve. He was able to locate the widow God had sent him to. Il a pu localiser la veuve chez qui Dieu l'a envoyé. Praise the Lord. Amen. Now listen to me. Or let me see how this plays with you. When I am feeling hungry, and God says, go and see Mr. ABC. He will feed you, he will take care of you. When you are going, what are you expecting? You know that you are going to eat and drink and feast and lie down and enjoy life. This is what I am thinking. And I believe that is what the prophet was thinking. He thought he was going to Zarephath to meet a ready-made situation. To find a rich widow. That he may just sit back and relax and enjoy and eat and drink. Praise the Lord. Amen. But it strikes me Mais, that when he got there, ça m'a frappé que quand il est arrivé là-bas, this woman had nothing. Cette femme n'avait rien. Praise the Lord. Amen. This woman had nothing. Cette femme n'avait rien. But the prophet of God Mais le prophète de Dieu, he stood upon the word of God. C'est tenu sur la parole de Dieu. Praise the Lord. Amen. And that's what I am saying to you and I. Et c'est ce que je nous dis, toi et moi. The word of God says, la parole de Dieu dit, I, God, I have commanded a widow. Praise the Lord. Amen. What is a command? Quel est le commandement? You will feed my servant. Tu nourriras mon serviteur. Like the bishop was saying here. Comme l'évêque de Dieu. God is the ultimate general. Dieu est le général ultime. And he has commanded this woman. Et il a ordonné à cette femme. And she had to do it. Elle devait le faire. Praise the Lord. Amen. Because in this land, beloved, things were just as bad. Les choses étaient aussi mauvaises. There was no food in Israel. Il n'y avait pas de nourriture dans cette terre. And so even in this land, beloved, there was no food. Dans ce pays-là, il n'y avait pas de nourriture. And very rapidly, et très rapidement, Elijah realized this truth. Élie a réalisé cette réalité. And he began to see the truth of the famine. Et il a commencé à voir la réalité de la famine. The famine, beloved, la famine, bien-aimé, it was not in a particular location. N'était pas localisé à un endroit particulier. The famine was everywhere. La famine était partout. Praise the Lord. Amen. A few months back, quelques mois auparavant, everybody in this part of the world, tout le monde dans ce côté-là, de ce côté-là du pays, we wanted to go to the west. Voulait aller à l'ouest. We wanted to go to America. Voulait aller en Amérique. We wanted to go to Europe, China, and Japan. Voulait aller en Europe, en Chine, au Japon. We wanted to do any and everything. Nous voulions faire tout et n'importe quoi. That we should go to Zarephath. Pour aller à Sarepta. But today, mais aujourd'hui, what is the situation? Quelle est la situation? It is just as bad in Zarephath as it is bad in Cameroon. C'est aussi mauvais à Sarepta que c'est mauvais au Cameroun. The pandemic, beloved. La pandémie, bien-aimé. It is in America. Et en Amérique. It is in Cameroon. Et au Cameroun. It is in Japan. Et au Japon. It is in Nigeria. Et au Nigeria. It is in Germany. Et en Allemagne. It is in Chad. Et en Chine. It is all over, beloved. Au Chad, elle est partout. And so what do you do? Et qu'est-ce que tu vas donc faire? Even right now as we speak, même maintenant que nous parlons, a lot of those countries, no flights from anywhere are going there. Dans beaucoup de ces pays, aucun avion
ne pas de nulle part pour là-bas. So even if you have a ticket, si even if, même si tu as un billet, you will not be able to go there. Tu ne pourras pas y aller. Praise the Lord. Amen. My mind begins to go back to this lepers. Et ma pensée a commencé à rentrer vers ces lépreux. And I begin to think about this famous philosophy of déjà vu. Et j'ai commencé à penser à cette célèbre philosophie de déjà vu. Because it sounds like something that we have seen before. Parce que ça a l'air de quelque chose que nous avons vu avant. When the lepers decided to change their situation, quand les lépreux ont décidé de changer leur situation, they made one important analysis. Ils ont fait une importante analyse. If we go back to our own native land, if we go back to Israel, si nous rentrons en Israël, they will not accept us. Ils ne vont pas nous accepter. You know why? Vous savez pourquoi? Because every day themselves, they were in lack. They had nothing. Parce que même eux-mêmes, ils n'avaient rien. Praise the Lord. Amen. You want to go to Zarephath? Tu veux aller à Sarepta? I will give you a ticket. Je vais te donner un billet. But guess what? Mais imagine quoi? Americans will not accept you in their society. Les Américains ne t'accepteront pas dans leur société. Because what you are running away from, parce que d'où tu pars, what you are running away from, là où tu fuis, they too have it there. À ce que tu es en train de fuir, oh, si on sait là-bas. They want to protect their people. Ils veulent protéger leurs gens. They don't even have enough for their people. Ils n'ont même pas assez pour leur propre peuple. Praise the Lord. Amen. And so the great question is, et alors la grande question est, why do you want to make a request from somebody who cannot help you? Pourquoi tu veux faire une demande à quelqu'un qui ne peut pas t'aider? And that is the situation, beloved, with Elijah and the widow of Zarephath. Et ça, c'est la situation entre Élie et la veuve de Sarepta. He asked her for food. Il lui demande de la nourriture. And she said to him, et elle lui dit, as the Lord God liveth, comme l'Éternel Dieu vit, I have not a cake, je n'ai pas un morceau, but a handful of meal in the barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Que nous mangions et que nous mourions. Praise the Lord. Amen. So the pandemic, alors la pandémie, was also in Zarephath. Était aussi à Sarepta. Praise the Lord. Amen. Very seriously there. Très sérieusement. As we speak, beloved, et comme nous parlons, the Zarephath of America, l'Amérique, the Zarephath, le Sarepta, which is America, qui est l'Amérique, which is the United Kingdom, qui est le Royaume-Uni, which is France, qui est France, you have more people dying there than are dying in our own country. Tu as beaucoup de gens qui meurent là-bas comme ils meurent dans notre pays. And so we, plus qui meurent dans notre pays. Praise the Lord. Amen. In the United States, dans les aux États-Unis, as we speak right now, they have almost 100,000 people dead. Comme nous parlons maintenant, là, ils ont presque 100 000 personnes mortes. Why do you want to run from where 100 and something people are dead to go to where 100,000 people have died? Pourquoi est-ce que tu veux partir d'un endroit où 100 personnes sont mortes pour aller dans un endroit où 100 000 personnes sont mortes? Because I want you, beloved, to see exactly what Elijah saw. Parce que je veux que tu vois exactement ce qu'Élie a vu. The virus is everywhere. Le virus est partout. Praise the Lord. Amen. But there is a solution. Mais il y a une solution. There is a solution. Il y a une solution. And this morning, beloved, et ce matin, bien-aimé, I need for you to turn up your hope. Ton espoir. I need for you this morning, je voudrais que ce matin, to turn on the lights of your hope. Que tu allumes les lumières de ton espoir. Because it is in that hope, beloved, parce que c'est dans cet espoir, that we can begin to take away every form of discouragement and distress from our life. Que nous pouvons ôter toute forme de découragement et de détresse de nos vies. Praise the Lord. Amen. When the prophet Elijah saw this, beloved, quand le prophète Élie a vu ceci, he knew one thing. Il a su une chose. He had to introduce one thing. He had to introduce something. Il devait introduire quelque chose. The concept. Le concept. Of the market. Du marché. At the gate of the city. Au portail de la ville. Praise the Lord. Amen. When we face situations, beloved, quand nous faisons face à des situations, we don't need to run. Nous n'avons pas besoin de courir. We need to look at it squarely. Nous devons regarder cela
fixement. And see what kind of solutions we can bring to it. Et regarder quel genre de solutions nous pouvons y apporter. When Elijah saw this, beloved, quand Eli a vu ceci, he knew the answer. Il a su la réponse. The market at the gate of the city. Le marché au portail de la ville. What is this concept, beloved? Et qu'est-ce que ce concept? It says, il dit, the siege can only be over. Que la le siège ne peut être, ne peut finir. When you have seen the market at the city gate. Que quand tu as vu le marché au portail de la ville. Because the lockdown, beloved. Parce que le confinement, bien-aimé. It is not where you are. Ce n'est pas là où tu es. It is not your status. Ce n'est pas ton statut. Because parce que this pandemic, cette pandémie, it does not respect anyone. Ne respecte personne. Except à moins que those that have seen the market at the gate. Si ce n'est ceux qui ont vu le marché au portail. Praise the Lord. Amen. I want look, understand this background. Let me explain this. Comprends cet arrière-plan que je l'explique. When the Syrian army had invaded the city of Samaria. Quand l'armée syrienne envahit la ville de Samarie, God's people found themselves in a lockdown in Samaria. Le peuple de Dieu s'est retrouvé dans le confinement en Samarie. A different kind of a lockdown. Un autre genre de confinement. A lockdown that was meant to compel them to surrender. Un confinement qui avait pour but de les amener, de les obliger à se soumettre. Nothing came in. Rien n'entrait. Nothing went out. Rien ne sortait. And in a very short time, et dans un court moment, the whole economy collapsed. L'économie a été renversée. Things became so bad. Les choses sont devenues tellement mauvaises. That the people resorted to cannibalism. Que les gens se sont retrouvés dans le cannibalisme. We are told in that they began to kill and eat their own children. On nous dit qu'ils ont commencé à tuer et manger leurs propres enfants. Praise the Lord. Amen. Now that is some desperation. Ça c'est le désespoir. That is some kind of distress. Ça c'est un genre de détresse. That is some kind of hopelessness. Ça c'est un genre de désespoir. That a woman qu'une femme would decide déciderait to kill her own child. De tuer son propre enfant. To eat. Pour le manger. It's a time of deceit. C'est un temps de deception. De déception. Praise the Lord. Amen. One woman says, une femme dit, let's kill your child today and eat. Tuons ton enfant aujourd'hui et mangeons-le. And then tomorrow we'll do the same with my own. Et demain on va tuer le mien. But after that, mais après cela, she refuses to bring her own. Elle refuse d'amener son enfant. Whenever I read this text, beloved, chaque fois que je lis ce texte, I'm always asking myself a question. Je me pose toujours une question. These women, ces who killed their own children to eat, qui ont tué leur propre enfant pour manger, where were their husbands? Où étaient leurs maris? This is a serious question for me, beloved. Ça, c'est une question sérieuse pour moi, bien-aimé. Because if a woman, parce que si une femme, if a wife, une épouse, or anybody, ou qui que ce soit, would want to kill my own child, veut tuer mon enfant. You kill me first before you kill my child. Tu vas d'abord me tuer avant de tuer mon enfant. So my question is this all the time. Alors voilà ma question tout le temps. Where were the husbands? Où étaient les époux? Where were the fathers? Où étaient les pères? I believe I'm speaking to some men in this house. Je crois parler à certains hommes dans that cette you maison. Need to bring some kind of discipline. Que vous devez apporter une certaine discipline, some kind of order, un genre d'ordre, some kind of equilibrium, un genre d'équilibre, in your homes, dans vos maisons. Don't abandon your wives to themselves, beloved. N'abandonnez pas vos femmes à elles-mêmes, bien. But listen, mais écoute, when we talk about desperation, quand nous parlons de désespoir, it is very important. C'est très important. Because for some people, parce que pour certaines when personnes, they get into that state, quand ils arrivent à cet état, like these women, comme ces femmes, it leads them on to destruction. Ça les amène à la destruction. For some people, pour certaines personnes, they eat themselves, they eat until they just get useless. Ils mangent jusqu'à, ils deviennent inutiles. But somebody said thanks to the lepers. Mais que quelqu'un dise merci pour les lépreux. Because unlike these women, parce que contrairement à ces femmes, these people were also desperate.
Ces gens étaient également désespérés. They were in a very difficult situation, beloved. Ils étaient dans une situation très difficile, bien-aimés. But instead of destruction, mais au lieu de la destruction, they did something constructive. Ils ont fait quelque chose de constructif. And that is what God wants of you and I, beloved. Et c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. That we should turn our circumstances and situations around. Que nous retournions nos situations et nos circonstances. That our focus should be on Him. Que notre focus soit sur lui. And that as long as you focus on Him, et que aussi longtemps que nous focalisons sur He will always build you up. Il va toujours te relever. In the name of Jesus. Amen. And that is what happened here, beloved. Et c'est ce qui s'est passé ici. The Bible says, la Bible dit, God intervened. Dieu est intervenu. And the Syrians, et les Syriens, they all ran away. Ont tous fui. Praise the Lord. Amen. But nobody in the land knew that the Syrians had run away. Mais personne dans le pays n'a su que les Syriens avaient fui. In other words, en d'autres termes, the siege was over. Le siège était fini. But nobody knew that it was over. Mais personne ne savait que c'était fini. Praise the Lord. Amen. And so the people were sitting there in the camp. On dit que les gens étaient assis là dans le camp. That is within the city. Dans la ville. And instead of feasting, et au lieu de se réjouir, instead of dancing, au lieu de danser, they were starving. Ils avaient faim. And they were crying. Et ils pleuraient. Praise the Lord. Amen. The people were sitting there in the city. Les gens étaient dans la ville. Instead of extending the dimensions of their belts, au lieu de relâcher leur ceinture, instead they tightened it the more. Ils la serraient davantage. Because the famine was getting them slimmer and slimmer every day. Parce que la famine les rendait de plus en plus minces. Chaque jour. But it took these desperate lepers. Mais il a fallu ces lépreux désespérés. To come out of the city. Pour sortir de la ville. And to discover the truth. Et découvrir la vérité. The Bible says they entered the camp of the Syrians. La Bible dit qu'ils sont entrés dans le camp des Syriens. They plundered it. Ils l'ont pillé. And they started the market at the gate. Et ils ont commencé le marché au portail. Then the multitudes in the city also rushed out. Et la multitude de la ville a aussi couru dehors. And they saw the market and they became part of it. Et ils ont vu le marché, ils en ont pris part. And those who remained in the lockdown in Samaria, et ceux qui sont restés dans le confinement en Samarie, that is those who refused to see what was going on, c'est-à-dire ceux qui ont refusé de voir ce qui se passait, they all died of the famine. Ils sont morts de faim. And it goes back to what we said to us last week, beloved. Et ça revient à ce que nous avons dit la semaine passée. Different people, différentes personnes, we'll see this famine. We'll see the market at the gate. Verrez le marché au portail. At different times. À des moments différents. Praise the Lord. Amen. It is very important, beloved. C'est très important, bien-aimé. Praise the Lord. Amen. Let us go back to verse 14 of our text. Rentrons au verset 14 de notre texte. It says, "For thus said the Lord God of Israel." Il dit, car ainsi parlait l'Éternel, le Dieu d'Israël. Because when the prophet saw the famine, parce que quand le prophète a vu la famine, in Zarephath, à Sarepta, just as it was in Israel, comme c'était en Israël, he made this declaration to the woman in verse 14. Il a fait cette déclaration à la femme au verset 14. Car ainsi parlait l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Praise the Lord. Amen. What was the prophet saying to this woman, beloved? Qu'est-ce que le prophète disait à cette femme? That woman, there is a new market. Que madame, femme, il y a un nouveau marché. And that market is not far from you. Et ce marché n'est pas loin de toi. That market is right within you. Ce marché est là à l'intérieur de that toi. That market is even in your storehouse. Ce marché même dans ta maison. That the quantity of food that you need, que la quantité de nourriture dont tu as besoin, it is in your storehouse. Ça se retrouve dans tes greniers. And it shall never run out. Et ça ne va jamais finir. Praise the Lord. Amen. Until I say, let it run out. Jusqu'à ce que je dise que ça in finisse. In other words, beloved, en d'autres termes, bien-aimés, the prophet of God was saying to this woman, le prophète de Dieu disait à cette femme, trust me. Fais-moi confiance. Believe in the Lord. Crois en Dieu. That this God, que ce Dieu, who made manna to fall in Egypt, qui a fait que la manne tombe dans le désert, he hasn't changed, n'a pas changé. Praise the Lord. Amen. And that he can still do it. Et qu'il peut toujours le faire. Hallelujah. Amen. Can somebody put his hands together for Jesus? Que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Amen.
And we are told, beloved, et on nous dit, bien-aimé, it came to pass in the life of this woman just as the prophet has said. Que cela s'est passé dans la vie de cette femme ainsi que le prophète l'avait dit. She had a continuous supply of food in her house. Elle a eu une provision constante de nourriture dans sa maison. That means that instead of death, que au lieu de la mort, for her and her son, pour elle et pour son fils, for them, pour eux, the famine was effectively over. La famine était effectivement finie. The lockdown was effectively over. Le confinement était fini. To the woman and her household. Pour la femme et sa famille. Praise the Lord. Amen. You know, when I read this text, et quand je lis ce texte, yeah, the woman lived. Cette femme a vécu. She and her son. Elle et son fils. But I feel bad for her. Mais je me sens mauvais pour elle. You know je me why? Sens mal pour elle. Pourquoi? She would have become as wealthy as these lepers. Elle serait devenue aussi riche que ces lépreux. Because parce que in the whole land there was also famine. Dans tout le pays, il y avait également la famine. And as long as she had a never-ending supply, et aussi longtemps qu'elle avait une provision illimitée, there was nothing that stopped her from selling it. Il n'y avait rien qui l'empêchait de la vendre. Praise the Lord. Amen. We must stop putting restrictions on ourselves that are not put by God. Nous devons arrêter de placer des restrictions sur nous-mêmes qui ne sont pas placées par Dieu. She had the freedom. Elle avait la liberté. She had the liberty. Elle avait la liberté. To sell it. De vendre. To give it out. De donner. To eat it. De manger. But she decided. Mais elle a décidé. That the stomach was better. Que le ventre était mieux. And so all she did was eat and eat and eat and eat and eat. Et tout ce qu'elle faisait, c'était manger, manger, manger. Praise the Lord. Amen. So each time she wanted food, mais chaque fois qu'elle voulait de la nourriture, she just did as the prophet asked her to do. Elle faisait juste comme le prophète lui avait dit. She had a daily supply. Elle avait la nourriture de chaque jour. She had jar of meal never ran out. Elle, sa nourriture ne finissait jamais. And the bottle of oil. La farine ne finissait jamais et l'huile. It never ran out. N'est jamais finie. Praise the Lord. Amen. I don't know if this woman was as liberal and as open as the lepers. Je ne sais pas si cette femme était aussi libérale et ouverte que les lépreux. Because there is no indication that she shared with anybody. Mais parce qu'il n'y a aucune indication qu'elle a partagée avec quelqu'un. People saw her every day. She comes out looking fresh. Les gens la voyaient chaque jour. Elle sortait, elle était fraîche. And they said, "What? Why are you looking so good, so fresh?" Et on lui demandait pourquoi est-ce que tu allais si belle, si fraîche. There is one song like that they sing in Pidgin, waiting to make you anyway. All she said was, it's my God who is making me look like this. Tout ce qu'elle disait, c'est que c'est mon Dieu qui me fait me donne cette air-là. And that God, beloved, et ce Dieu, bien-aimé, he is your God also. Est ton Dieu également. And he can do the same for you. Et il peut faire pareil pour toi. The question is, la question est, do you believe in his prophet? Est-ce que tu crois à son prophète? I am not talking anymore about believing God. Je ne parle même plus de croire à Dieu. I am talking about believing in the pronouncement of his prophet. Je parle de croire aux prononciations du prophète. Because who made the declaration? Parce que qui a fait les déclarations? It was the prophet of God. C'était le prophète de Dieu. And everything, beloved, et toute chose, it came to pass just as the prophet of God has said. C'est passé exactement comme le prophète de Dieu. From the dit. Moment. Du moment that the prophet spoke to this woman, où le prophète a parlé à cette femme, and she believed in the prophet, et elle a cru au prophète, a new market had come into existence. Un nouveau marché existait. From that moment, à partir de ce moment, a new market had come into existence. Un nouveau marché est venu the à l'existence. Lockdown was over for her. Il n'y avait plus de. The pandemic was over for her. Le confinement était fini pour elle. Can la pandémie somebody était say amen to that? Et que quelqu'un dise amen pour ça. Because parce que in the land of Zarephath, dans le pays de Zarephath, I am sure it wasn't a land of one woman and her son. Je suis sûr que ce n'était pas la vie d'une seule femme et de son fils. I am sure a lot of other people were crying in that land. Je suis sûr que beaucoup d'autres gens pleuraient dans they were groaning because of the famine. Ils se lamentaient à cause de la famine. They were tightening their belts every day. Ils serraient leur ceinture chaque jour. But not for this woman. Mais pas cette femme. And my prayer is that it shall be the same for you. Et ma prière que cela soit pareil pour toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Because what does this miracle for this woman mean for you and I today? Parce que qu'est-ce que ce que Dieu a fait pour cette femme signifie pour toi et moi aujourd'hui? One. She didn't go to anywhere to improve her supply.
Elle n'est allée nulle part pour améliorer sa provision. It was there in her house. C'était là dans sa maison. What triggered it? Ce qui a déclenché ça? Was what the prophet said. C'est ce que le prophète a dit. There is a market for you at the gate of your house. Il y a un marché pour toi à la porte de ta maison. And because she believed the prophet, beloved. Et parce qu'elle a cru au prophète. It came to pass. Cela s'est passé. And God's promise. Et la promesse de Dieu was fulfilled to the letter. A été accompli à la lettre. Exactly as the prophet Elijah had declared. Exactement comme le prophète Élie l'a déclaré. Hallelujah. Amen. And I know somebody is asking the question this morning. Et je sais que quelqu'un pose la question ce matin. Where is my Elijah today? Où est mon Élie aujourd'hui? Perhaps you are saying. Peut-être tu es en train de dire. If I only had an Elijah today. Si j'avais seulement un Élie aujourd'hui. Listen. Écoute, this morning, ce matin, I have good news for you. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Because yes, parce que oui, you have a prophet. Tu as un prophète. You have an Elijah. Tu as un Élie. Because I, parce que moi, I come to you in the name of the Lord. Je viens à toi au nom de Jésus. And I say, et je dis, let the rain of God fall upon you. Que la pluie de Dieu tombe sur toi. Let the dews of God fall upon you. Que les rosées de Dieu tombent sur toi. Let the Son of God fall upon you. Que le soleil de Dieu brille and sur toi. By this word, beloved, et par cette parole, bien I am triggering off an abundance upon your life. Je suis en train de déclencher une abondance dans ta vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You already have it all. Tu as déjà tout cela. Everything that God has buried in you. Tout ce que Dieu a apporté pour toi. And which over the years you have been hiding. Et que depuis était caché. Today in the name of Jesus. Aujourd'hui au nom de Jésus. I decree and I declare. Je déclare et je déclare. That let it explode. Que cela explose. Let it explode. Ça 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 explose. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You shall not suffer the negative effects of this pandemic. Tu ne souffriras pas les effets négatifs de cette pandémie. And everything else that comes with it. Et toute autre chose qui vient avec. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You will give a testimony. Tu will give a testimony. Tu donneras un témoignage. You will give a testimony. Tu donneras un témoignage. You will give a testimony. Tu donneras un témoignage. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Beloved, listen. Écoute bien aimé. This widow, cette veuve, she got her miracle. Elle a eu son miracle. Because she believed. Qu'elle a cru. And she acted upon the word of God. Et elle agit sur la parole de which Dieu. Came to her through her prophet. Qui est venu à elle au travers de son prophète. Praise the Lord. Amen. Listen. Écoute, as I round up. Pendant que je this finis, is very important for you and I. Ceci est très important pour toi et moi. And this is Jesus himself speaking. Et c'est Jésus même qui parle. Book of Luke chapter 4. Dans le livre de Luc chapitre 4. Verses 25 to 26. Du verset 25 au verset 26. Jesus says. Jésus dit. I assure you. Je t'assure. That there were many widows in Israel in Elijah's time. Qui avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie. When the sky was shut for 3.5 years. Quand le ciel a été fermé pendant 3 ans et demi. And there was a severe famine throughout the land. Et il y avait une famine sévère dans le pays. Yet. Cependant. Elijah was not sent to any of them. Élie n'a été envoyé chez aucune d'elles. But to a particular widow. Mais à une veuve particulière. To a particular widow. Mais vers une femme veuve particulière. God sent Elijah. Dieu a envoyé Élie. Far away to Zarephath, loin à Sarepta, to a widow there, à une veuve là-bas, who would believe him? Qui va croire en lui? Because the multitudes in Israel, beloved, parce que la multitude en Israël, they would not believe God. Ne croyait pas en Dieu. Praise the Lord. Amen. For this widow, beloved, pour cette veuve, her famine had come to an end. Sa famine est finie. It's all a matter of faith. C'est une question de foi. If you do not believe it. Si tu ne crois pas, the pandemic continues to rage in your life. La pandémie va continuer à régner dans ta if vie. If you believe it, si tu y crois, the end of the pandemic has come for you. La fin de la pandémie est arrivée pour toi. We all remember the story of the counselor to the king. Nous nous rappelons tous de l'histoire du conseiller du roi. The Bible says. La Bible dit. He didn't believe. Il n'a pas cru. He didn't believe the word of the prophet. Il n'a pas cru à la parole du prophète. And that was the end of him. Et c'était sa fin. This morning, beloved, ce matin, bien-aimé, I want you to make up your mind. Je voudrais que tu
prennes la décision, that you will believe the prophet, que tu vas croire au prophète, that God has sent your way, que Dieu a mis sur ta voie. Praise the Lord. Amen. And this morning, beloved, et ce matin, bien-aimé, I want for us, je voudrais pour nous, even to call upon the prophet of God, que nous appelions le prophète de Dieu, the prophet of God in the house, le prophète de Dieu dans la maison, our own very prophet, beloved, notre propre prophète, who comes in the name of the Lord, qui vient dans la and who will bring you, et qui va t'amener, even the mind of God, la pensée de Dieu. Would you applaud, please? Avec vos applaudissements, let us receive the bishop. Recevons l'évêque. You know, one of the beautiful things about sitting down and listening, well, l'une des belles choses pour s'asseoir et écouter, is the revelations that you get as you sit down. C'est les révélations que tu obtiens pendant que tu es assis. And this is my prayer throughout this series that we are doing. Et voici ma prière pendant toute cette série que nous examinons. That during this series, que pendant cette série, God will give us revelations. Dieu nous donne des révélations. As I listened to Pastor Chris speak, pendant que j'écoutais le pasteur Chris parler, you see that scripture? Vous voyez cette écriture? That question was just in my mind. Cette question était juste dans ma pensée. And this is Jesus speaking. Et voici Jésus qui parle. He asked a very pertinent question. Il a posé une question très pertinente. Were there no widows in Israel? N'avait-il pas de veuves en Israël? Why did God, pourquoi est-ce que Dieu, choose to remove his prophet from Israel, avait choisi d'enlever son prophète d'Israël, and send him to far away Sarepta? Et l'envoyer loin à Sarepta. Where were all the widows in Israel? Où étaient toutes les veuves en Israël? I want us to begin to listen to something that is predominant. Je veux que nous commençons à écouter quelque chose qui est prédominant. This is Israel. Voici Israël. This is God's chosen people. Voici le peuple choisi de Dieu. But when, mais quand, hoof comes to shove, les choses arrivent. When the chips are down, when things become so extreme, quand les choses deviennent extrêmes, God removes his prophet, Dieu enlève son prophète, from Israel, d'Israël, and send him to Zarephath, et l'envoie à Zarephath, so that he could be taken care of, pour qu'on prenne soin de lui. I keep saying this. Je continue de dire ceci. Church, église, we are playing God too much. Nous jouons Dieu trop. We are playing first name basis with God too much. Nous jouons trop avec Dieu. Because you see, parce que voyez-vous, what I realize, ce dont je me rends compte, is this. C'est ceci. Pastor Chris said something. Pasteur Chris a dit quelque chose. The women in Israel, les femmes en Israël, they were desperate. Étaient désespérées. Very good ingredient. Un très bon ingrédient. But their desperation, mais leur désespoir, did not lead to hope, it led to hopelessness. Ne les a pas amenés vers l'espoir, mais ça les a amenés vers le désespoir. And in that hopelessness, what did they do? Et dans ce désespoir, qu'est-ce qu'elles avaient fait? They began to kill their children to eat. Elles avaient commencé à tuer leurs enfants et les manger. The widow in Zarephath, quand la veuve en Israël, she is desperate. Quand la veuve en but her desperation does not lead to hopelessness. Le désespoir n'a pas amené à désespoir. Her desperation leads to hope. Son désespoir l'a amené à l'espoir. And so she could listen to the prophet. Alors elle pouvait écouter le prophète. In her desperation. Dans son désespoir. And she could believe the prophet. Elle pouvait croire au prophète. And the moment she believed the prophet. Le moment où elle a cru au prophète. Something happened. Quelque chose s'est passé. You see, the widows in Israel. Les veuves en Israël. They had desperation. Avaient le désespoir. The prophet. Le prophète. Had the word. Avait la parole. The widow in Zarephath. La veuve en Sarepta. She had desperation. Elle avait le désespoir. The prophet, le prophète, had the word. Avait la parole. It was meant to be a symbiotic relationship. Ça devait être une relation symbiotique. You give me your desperation. Tu me donnes ton désespoir. I speak the word into you. Et je déclare la parole en toi. It opens your eyes. Et ça ouvre tes yeux. And you see the market at the gate. Et tu vois le marché au portail. Are you listening? Est-ce que vous m'écoutez? But watch what happens in Israel. Mais observez ce qui s'est passé en we Israël. Are desperate. Nous sommes désespérés. What do we do? Et qu'est-ce que nous faisons? We kill the prophets and eat them. Nous tuons les prophètes et nous les mangeons. We kill the children of God and eat them. Nous tuons les enfants de Dieu et nous les mangeons. When the children of God are desperate, quand les enfants de Dieu sont désespérés, they start speaking against the church of God. Ils commencent à parler contre l'église they de Dieu. They start speaking against the men of God. Ils commencent à parler contre les hommes de and Dieu. And they don't even care where they are, whether in their home with their children or in the taxis with other people, we start eating. Nous
Nous commençons à manger. Desperation. Le désespoir. Is a powerful ingredient for God to use. Est un ingrédient puissant que Dieu utilise. But when we don't allow God. Mais là où nous ne permettons pas à Dieu. His word. Et sa parole. To reach us. De nous atteindre. Then we cannot see the market at the gate. Nous ne pouvons donc pas voir le marché au portail. Watch the same thing that happened. Observe la même chose qui s'est passée. In Samaria. En Samarie. The prophet. Le prophète. Gave the word. Avait donné la parole. That ought to have opened their eyes to see the market at the gate. Ils étaient censés ouvrir leurs yeux pour qu'ils voient le marché au portail. They did not. Et ils ne l'ont pas they fait. They were busy eating their children. Ils étaient occupés à manger leurs enfants. The lepers. Les lépreux. The same thing. La même chose. God moved from Israel. Le Dieu est parti d'Israël. To the lepers. Vers les lépreux. To Zarephath. À Zarephath. And the lepers. Et les lépreux. They took their desperation. Ont pris leur désespoir. And they saw the market at the gate. Ils ont vu le marché au portail. Listen to me. Écoute-moi. There is a market at the gate. Il y a un marché au portail. But it will come. Mais ça viendra. Your eyes will be open. Et tes yeux seront ouverts. You know this story. Cette histoire. Second Kings chapter 6. Deux Rois chapitre 6. The prophet Elisha. Le prophète Élisée. The king. Le roi. Is coming to attack him. Vient pour l'attaquer. And the king. Et le roi. Has sent soldiers. A envoyé les soldats. And they filled the whole place. Ils étaient pleins partout. The prophet's servant is panicking. Le serviteur du prophète est en train de paniquer. And the prophet prayed a prayer. Et le prophète a prié une prière. God. Dieu. Open his eyes. Ouvre ses yeux. That he might see that there is a market at pour qu'il voit qu'il y a un marché au portail. And even in this stressful time, he does not have to panic. Et même dans ce moment stressant, il n'a pas besoin de paniquer. His eyes were open. Et ses yeux étaient ouverts. And what did he see? Et qu'est-ce qu'il avait he vu? Saw the market at the gate. Il a vu le marché au portail. There were angels all over the place. Il y avait les anges partout. On the mountains. Sur les montagnes. On the trees. Sur les on the rooftops. Everywhere there were angels. Partout il y avait les anges. But the servant could not see it. Mais le serviteur ne pouvait pas voir. Until the prophet spoke it. Jusqu'à ce que le prophète l'a déclaré. Can I tell you something? Est-ce que je peux te dire une chose? While you are dying of starvation, pendant que tu meurs de famine, there is a market right there at your gate. Il y a un marché là à ton portail. The beautiful thing is this. La belle chose c'est ceci. This woman in Zarephath did not go to look for it anywhere because it was within her. Cette femme en Zarephath n'est pas allée chercher parce que c'était en elle. That your market is within you. Ce ton marché là est en toi. It's something that you've got. C'est quelque chose que tu as. Oh, 2 weeks ago. Oh, il y a de cela 2 semaines. Somebody came to my house. Quelqu'un est venu dans ma maison. When she looked at the thing, she said to me. Quand elle a regardé les choses, elle m'a dit. She said, "Mommy." Elle a dit, maman. Do you know? Est-ce que tu sais? You have all these things here that you are not even using. I can sell them for you. Tu as toutes ces choses ici que tu n'utilises même pas. Je peux les vendre pour toi. I said, really? J'ai dit, en fait. It had never done to me. Et cela ne m'est jamais arrivé. But you see, there's a market even in my home. Ouais, il y a un marché même dans ma maison. It didn't dawn on me because. Cela ne m'a pas touché parce que. I said to her. Je lui ai dit. The kind of money that I need now, I don't know how much what you sell this that it will bring to me. Le genre d'argent dont j'ai besoin maintenant, je ne sais pas combien tu vas vendre ça. But that is not the point. Mais ce n'est pas ça le point. The point is. Le point c'est que. In my own very home. Dans ma propre maison. There is a market there. Il y a un marché là-bas. Which I did not see. Et que je n'ai pas vu. Listen to me. Écoute-moi. There is a market. Il y a un marché. You don't have to go far. Tu n'as pas besoin d'aller loin. It's right within you. C'est en toi. How will you see it? Comment est-ce que tu le verras? Give me what you've got. Tu me donnes ce que tu as. I give you the word. Your eyes pop open. Tes yeux s'ouvrent. And you begin to see that there is a market right there for you at the gate. Et tu commences à voir qu'il y a un marché là pour toi au portail. When that woman's eyes opened. Quand les yeux de cette femme se sont ouverts. Pastor Chris said she didn't know what she did with her oil. Le pasteur Chris dit qu'il ne sait pas ce qu'elle a fait de son huile. Give me Sonara. Donne-moi la Sonara. I'll tell you what I'll do with that oil. Je te dirai ce que je ferai avec cette huile. Nobody comes in contact with oil and remains the same. Personne n'entre en contact avec l'huile et demeure le because même. Because that is where the real money is. Parce que c'est là où se trouve le vrai argent. She became an oil merchant. Elle est devenue tout un commerce. When everybody sees her. Quand tout le monde la voyait. Ah, you look fresh. Oh, tu es qu'elle est fraîche. She says yes. Elle disait oui. I've got enough oil. J'ai assez d'huile. Please, can you give me some? Est-ce que tu peux m'en donner? No problem. Pas de problème. What quantity? Quelle quantité? A bottle? Une bouteille? A small bottle of 500 cl. Une petite bouteille de 50 centilitres. You want that? Tu veux cela? This quantity of oil? Cette quantité d'huile? This is 2,000 francs. Ça, c'est 2,000 francs.
Ah, if you want cook eru, nobody you need palm oil. Si tu veux cuisiner le héros, est-ce que tu n'as pas besoin de l'huile de palme? You have to buy it. Besoin d'en. That woman, the prophet, le prophète, opened her eyes, avait ouvert ses and yeux, and she saw the market at the gate. Et elle avait vu le marché au portail. From what? À partir de her little oil and her little flour. Petite huile et sa petite farine. She began a market at the gate. Elle a commencé le marché au portail. That market is not in France. Ce marché n'est pas en France. That market is not in America. Ce marché n'est pas en Amérique. Like the Bible says, comme la Bible dit, the kingdom of God, le royaume de Dieu, it is within you. Est en toi. It is in you. C'est en toi. Where did Jesus? Où est-ce que Jésus? Feed the 5,000 from. Avait nous. À partir de quoi est-ce que Jésus avait nourri les? From somebody. À partir de Oh, my God.
have in you. La richesse que tu as déjà en toi. In the name of the Father. Au nom du Père. In the name of the Son. Au nom du Fils. And in the name of the Holy Spirit. Au nom du Saint-Esprit. Shout amen. Crie amen. Somebody shout the loudest amen. Amen.